Les Congo AL News, première chaîne d'info. Un cousin de Mobutu avant de mourir, il disait que Pokoliana, effectivement, aujourd'hui, il y en a qui se mangent tout seul. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue encore à l'émission Abino Les Congo. Et puis, dans le site, dans la chaîne, dans le Congo AL News, les lots vraiment, ils ont danger permanent dans la RDC. Ils ont thème de l'abysseur des lots, danger permanent. Pourquoi danger permanent? Mais avant ça, place vous déjà pour s'abonner largement, pour partager vidéo dans le Congo, pour cliquer sur net, place vous allez. Vous partagez un mot partout dans ma WhatsApp, dans ma Messenger, parce que mon qui me voit à l'heure, pour envoyer ce qui se passe. Vraiment, ça fait quelques jours que bon, mon inaïté, parce que vraiment, dans Zara, moi, à raison, à famille aussi, à travail, hein, et puis à travail à médias, pour nous avoir information, moi, déplacement, mon qui, il y a un zongi, information, ma cassi, on a un dossier, ma cassi, vraiment, bon, état à mon cannabiso. Pourquoi Félix, président Félix Tshisekedi, à Kenda qui est États-Unis? Pourquoi l'administration américaine est en Bakiye? Et pourquoi le président Félix aussi a sali tour Moubimba, région à Grand Lac? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant qu'on a eu aux États-Unis, à quelques fans de sa militaire congolais, à Lubumbashi, à Solana? Mais pourquoi c'est qu'on a eu à Kinshasa? Mais à Kinshasa, on a Lubumbashi. On a eu raison à émission, à Bissou et à ce soir. Il faut bien comprendre ce qui se passe parce que danger permanent. Na Congo, bombe, on a eu à l'élo tout comme lobby. Massacrer la population, tout ce qui est parce que n'oubliez pas que les Occidentaux sont les Congo. Mais, le président Félix Tshisekedi a sali tourné dans la région à Grand Lac, à Kenya, au Congo, Braza, à Kenya, na Ouganda, à Kenya, au Rwanda, à Kenya, na Congo, Braza et puis Angola. Et par après, à l'époque des États-Unis, à l'époque Zonga, bah ça dit conseil combien on dit à fin de si militaire naie à défense hein pendant que solo là que à solo na bango mais solo ni ni na États-Unis à Kenya qui ça la nini aussi la région à Grand Lac bah solo là qui ni na président na bah président Braza Angola tous ces présidents parce que nous sommes congolais tous ça ignorant Tony Kouy batte ce qui se passe président Félix aussi à qui États-Unis à Koutani la présidente il y a FMI madame Lagarde Christine Bassolo-Nini. Pourquoi Madame Lagarde, tout le monde a qui batounaye à FMI, qui na Congo, pour ça, la calcul sur l'économie et puis système économique et puis financier à Congo. Qu'est-ce qui s'est passé juste réellement? Parce que nous sommes Congolais, nous voyons des choses, et ça, pour les Kabiso, mais nous avons du mal à comprendre et à analyser qu'est-ce qui se passe réellement. Le président Félix, on a phrase à Makassi. À l'objet des États-Unis, qui a été congolais, vérité que, il y a eu comme une administration américaine pour que le Congo soit comme la Syrie, que le Congo soit comme l'Irak ou encore comme la Libye, où il y a eu le colonel Kadhafi. Donc, pourquoi le président Félix, il faut que le Congo soit comme ça? Parce que nous sommes congolais, toujours on a légèreté, le président Félix est américain, bon. Aboye comme la Syrie. Mais pourquoi comme la Syrie? Je vous rappelle que le Congo a été attaqué par 9 pays africains, donc occidentaux, nouvel ordre mondial, et utilisant qui 9 présidents africains. Ou bien, membres de 7 Nabango, imposant les pays africains pour la mise sur les pays, sur l'exploitation de la terre africaine, sans que les Africains vivent la vie meilleure. Comment on a attaqué les 2001, on a manqué Laurent Désiré Kabila. Parce que l'objectif, c'est qu'il ne faut pas un originaire soit au pouvoir. Parce que si un originaire prend le pouvoir, ça risque de bouleverser les choses. Il fallait qu'il n'y ait pas un originaire soit au pouvoir en Congo. Bon, Babouaki Laurent, Joseph Kabila et président Félix Tshisekedi, il n'était pas dans les calculs. Il n'était pas dans les calculs parce que spirituellement, il pose problème. Comment ça il pose problème parce qu'il n'y a pas dans la mystique, jour à meeting, il y a prière, il y a mystique. Vous avez raison, mais moi, je vais vous prochainement. Mais je vais vous expliquer pourquoi qu'on fait ça, même il y a une France, dans le pays, pourquoi il y a parce que c'est un problème spirituel. Que s'est-il passé? Le président Félix, dans le pouvoir, il savait, il avait senti qu'à tout moment, il pouvait sauter. À tout moment, il y avait un coup d'État. Premièrement, que s'est-il passé? Akouti, Akouti, un président à Rwanda. Bon, moi, qui avant,
pas validé dans la Cour constitutionnelle en Mboka na biso net mon avis Paul Kagame a influencé qui la France a influencé qui États-Unis a influencé qui l'Union africaine qui a validé le président Félix comme président. Maintenant, le président Félix a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait à quel moment le président à Rwanda, à quel moment le président Angola, à quel moment le président à Rwanda, à quel moment il a été tête à tête, pour la politique qui a été homme fort, politique qui a été américain. Donc, il ne faut pas que le salon a été mais il faut que yo faut que ne koluka avant pour d'accès que tu es aussi fort na zobanga roté. Donc là ça faiblit aussi d'un côté adversaire non, parce que Paul Kagame tant que l'homme fort il y a Jean Grand Lac par surprise à mon président Félix avec le na Rwanda. Donc il banque ça qui est moi moqué ah moto a bossé quasi appui à Makasi mais appui à moi c'est qui. Donc l'appui vient tu es bien moi na Russie et aussi la Chine. Mais président Félix maintenant à quelle diplomatie parce que quand nous à quel moment le président rwandais a ébissé vérité que faites attention que Marambozo Sala, nous le savons. Mais le Congo est prêt aussi de répliquer. Nous savons très bien que Bazotin Dabinomet, le fait que Bazotin va attaquer Bissot, cette guerre aussi s'en haut place et Bandaki. Le président Rwanda lui a dit carrément que non, il ne sait pas que nous sommes commandités par l'USA, l'Union européenne, bah, on même bâtir Bissot, mais il y a une guerre. Oh. Alors, nous avons un Braza, un Angola, un Uganda. C'est la même phrase que c'est les États-Unis qui, y compris l'Europe, dans l'Europe, l'Union européenne, nous sommes que les simples garçons de course, tout ça, le service, travail demandé par nos maîtres. Et nous profitons aussi par les intérêts. Donc, le président Félix, maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour mettre fin à ça? Il prend son avion, Bakotin, diplomatie à Congo Sali, Bakotin en relais, État américain, parce que il y a aussi une chose, l'État américain avait un conflit aussi là Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila avait mis les intérêts américains, boycotté qui intérêts américains via Soros, parce que Soros c'est ça un homme d'affaires américain aujourd'hui bazo compté parmi les plus riches dans les États-Unis, bazo compté comme matière première la France awa ils allaient Bolloré, donc ils avaient intérêt à France, et puis la Suisse ils allaient Boebi, ils allaient qui a Glencore ça la batterie aujourd'hui dans Cobalt à Congo. Mais je vais vous révéler une chose, parce que na est à Congo na tenke fungurume tout autour na mo cité mozalaka wana cité wana appartient na sénat américain, appartient à l'État américain. Donc tout président américain, tout sénateur américain a randa kunaye na cité ya tenke fungurume bazana site mo bato mozana aérodrome na bango ba avion qui takaba jet privé. Il est 19h. Le moment de la président américain à haute États-Unis ou là en Congo ba Trump ba Obama ba bah tout bas dans la cité dans mon coup mais Kabila menait bon un peu vie dure, mais n'oubliez pas que lorsque le président Félix a eu pouvoir à mon pays on a dit que non il faut en la côte en réalité dans le pays haut, parce que ceux qui n'ont pas côte en réalité dans le pays haut vous allez un peu difficile. Le président Félix a eu avion là à côte en communication à ambassadeur américain bah salut tout diplomatie salut bah téléphone et bétami à qui tient États-Unis. Comme les États-Unis, bah y a un billet, tout le monde va en Orembo, on a besoin de la fanfare. Bon, ils ont la tromperie d'Angéna, tout le monde est là fonctionnera. Pour quoi ça y est, à Olinga, là que ça ok, non, à honorer, on a beaucoup, on a honoré, on a honoré. Mais bah ça colonel Kadhafi, la France, bah tout le monde est tant que n'engage pas tout ça, mais juste après, bah y a Obama. Donc président Félix aussi, bah qui va chérir, bah cosier, bah petit, bah fanfare, bah là que ça y est, que vraiment nous bisous tous incapables. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Président Félix est encore aux États-Unis. Pour nous rappeler pourquoi mon ami président Trump était un numéro M. Seroya. Pour comprendre pourquoi mon ami président Trump était. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi président Trump n'a pas été en Guinée? Mais déjà, l'administration américaine, l'administration Trump n'est pas solo, il n'a pas président Félix. Trump, le fait que l'administration n'est pas président Félix, donc cela signifie que Trump est mon ami. Mais comme Trump aussi a ses maîtres, il ne pouvait pas mettre un bon président Félix, donc on compte prochainement. Mais président Félix, c'est encore les États-Unis, il a parlé aux Américains. Absolument clairement que Bissot, le fait que nous n'ayons pas la binion, c'est pour collaborer en face. Arrêter d'utiliser nos voisins pour exterminer notre peuple. Nous savons très bien. Parce que le président Félix a dit une chose, à l'oubli de la phrase, n'a que tout le Congo est comme la Syrie. Le Congo a une histoire dans les États-Unis sur l'uranium. N'oubliez pas que si les États-Unis aujourd'hui est grande puissance sur le plan militaire, c'est grâce au Congo. C'est parce que la Belgique et Pessaka et l'Iranium Nabiso à Betarango, Nagasaki et puis Hiroshima, n'est comme ça et Maka, c'est comme ça qu'il y a une grande puissance sur le plan militaire et nucléaire dans le monde. Donc, le président Félix a rappelé que si votre pays aujourd'hui est aussi puissant,
C'est grâce au Congo, parce que vous utilisez nos matières, nos minéraux premiers, l'uranium à Congo. L'uranium à Congo est exploité sans condition et obligatoire aux États-Unis. Donc, États-Unis, Nazana, Naba France, Bazara, l'uranium à Congo sans condition et sans discuter. Donc, il y a des gens qui ont été battus parce que la femme dans un site. Le site de la femme dans l'uranium existe là. Donc, il y a des sénateurs, il y a des calculs, il y a des gens. D'autant que le président Félix Akoumikouna a rappelé déjà que vous utilisez l'uranium du Congo. Nous voulons collaborer parce que nous voulons la paix dans le Congo. Nous voulons que vous arrêtez tout dans le Congo. Parce que vous utilisez l'uranium du Congo. Il n'y a pas que l'uranium du Congo, il y a aussi une matière mokouboye. Comme on a dit Kimi et Kiminga, il faut que la bine en mission Rwanda. Matière on a utilisé uniquement dans la fusée. Parce que tant que vous lancez la fusée dans le Congo, matière on a à niveau espace et refroidissant la fusée. Donc, fusée sans matière wana et exploser dans l'espace. Donc, tu auras matière wana, ils ont la Congo. Matière wana, ils auront uniquement la Congo. Donc, à rappeler, ben, matière wana, il y a parce que le premier géographe congolais, où il a exploré qui Congo, il a mis la Congo, il a réussi à ça, il a mis ça, il a résultat. Il a mis dossier, la matière première, il a Congo, ils ont rare dans le monde, où l'Américain va exploiter. Il a dit, c'est mon ministre, il a mis ça. Président Félix a rappelé, ben, okay, vous avez Tenke Funguru, mais vous avez l'uranium du Congo. Gratuit. Mais pour pousser les sauter, tout est en conflit, tout comme aussi que réclamer le droit à Congo parce que vous exploitez les terres que Funguru, mais vous nous causez aussi la guerre dans l'Est en Bokanabso, tout solo là. Parce que maintenant, c'est la politique des cohabitations. Les États-Unis, c'est une grande puissance. Le Congo aussi, c'est un grand pays, c'est une puissance. Même si nous sommes faibles, mais l'administration Trump. L'administration Trump n'avait pas le choix que de collaborer avec l'État congolais. Le Congo, le président Félix a demandé beaucoup de choses. Assigné la banque a dit que non, il faut que la guerre se termine au Congo. On ne veut plus tuer les Congolais à l'Est. Dans une crise dans l'Est, il faudrait que le Rwanda aussi a remboursé tout ce qu'il a au Congo. Et autre chose qu'il a demandé, le président Félix a demandé qu'il faut qu'on lève embargo. Il y a Congo. Parce que Congo, depuis son indépendance, nous n'avons pas les droits de commercialiser et de vendre. Bah, il me dit, non, ah, mais il prend l'embargo, l'économie du Congo n'est pas stable, vous allez utiliser vos matières premières, beaucoup ça va bombe, beaucoup ça va modéliser, beaucoup de Congo en désordre, ma paye, pour exploiter. Bah, il me dit, bon, si c'est comme ça, nous, on peut vous financer, on peut vous donner de l'argent pour relancer l'économie à Congo. Nous, nous pouvons vous rémunérer pour que les Congos soient stables. Le président Félix a dit non. Nous, ce que nous demandons, nous voulons juste que, parce que nous sommes membres aussi, il y a FMI, donc nous cotisons, parce qu'être membre à FMI, à Banque mondiale, ils ont la cotisation annuelle et salamara. Au Congo, vers Sarah. Mais le Congo n'a pas le droit de s'endetter normalement comme les États-Unis, comme la France dans FMI. Mais le Congo a le droit, il y a OK, Nassima Belgique, Nassima France, France a déficit un bon mot, et a zone ici, il y a un intérêt multiplié. Ou bien, il y a si la rate indéfini, ou bien, il y a dette à Congo, dette à pays, il y a si la rate matara et matara, parce que, ils ont la dette moro gorodé, fatam sous 5 milliards, bon, peut-être, dans ce poste à 50 milliards, mais France, en tout cas, à 25 milliards, ils vont garder 25 milliards, mais nous, on est à 50 milliards. Parce que nous, nous ne sommes pas crédibles dans la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale a été salamara rapport à la pays Europe. Donc, bistou les grands là-bas, si, mais par l'intermédiaire, mais tout cotisera rapport à la Banque, on va s'enrichir, et nous, on s'empauvrit. Bah, il dit, c'est président Félix, non, si c'est comme ça, nous, nous devons examiner le système, système économique et puis financier pour que la capacité de nous pour qu'on s'endetter, comment on peut fonctionner. Parce que le président Félix a dit que non, si réellement il faut tout s'endetter, tout s'endetter bah, directement à la FMI. Il faut tout comme un monopole aussi en côté la FMI. Et ça regarde à tout le monde intermédiaire à battre. Il faut briser cet intermédiaire avec ma condition. Le président Félix a Singapour, na États-Unis, qui par Christine Lagarde, Azali, présidente de la FMI, la française, qui ministre Sarkozy aussi à budget. Qu'est-ce qui se passe? Comme il a examiné système économique à Congo, les États-Unis, bah, que non, ah, système économique à Congo est stable. Donc, cela prouve aussi que Joseph Kabila, malgré gestion naïe, mais à cela qui peut la stabilité dans le système économique naïe et puis dans le financier à Congo, parce qu'ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé que ça fonctionnait très bien. Maintenant, bah, oui, bon, si c'est comme ça, il faut toi, à Congo, maintenant, toi, pour vérifier si réellement la banque fonctionne très bien.
bah ils basent au Congo bah côté qui lundi passé bah côté bah réunion bah économiste à Banque mondiale bah examiner bah étudier mais bah trouver quand même que non ça va système économique à Congo mais maintenant est-ce que maintenant le Congo aura les droits de commercialiser maintenant bah minerai naé ah c'est ça le problème parce que lorsque le président Félix Azaki aux États-Unis Bumula qui premier ministre des Affaires étrangères belge Zander Saïa qui en privé allez vous mettez pas mon aïe pénal trotté mais Zander Saïa qui contredire l'idée il y a Congo qui attaque la matière première naïe parce que si Congo commence à commercialiser la matière première naïe on n'aura plus besoin de la Belgique n'aura plus des intérêts Belgique européen donc les politiciens là ils auront plus l'argent pour vivre l'avenir à la Belgique après 20 ans après 100 ans, 200 ans, ils allaient un peu sombre. Donc, Zandex, il faut négocier, il faut boire catégoriquement. Donc, nous ne voulons pas que, comme moi, comme on a monopole de vendre ces minéraux, soit dans le Tekamo, il deviendra puissant ou scolarisé dans le Moranae, et c'est la catastrophe pour nous. Donc, ce qui fait que le président Félix aujourd'hui a discuté avec les Américains, c'est vrai que Batima Ramosu, sa point, il y a aucun de la diplomatie, hein, la vente, il y a la commercialisation, il y a. Il y a pas matériel ou encore il y a intelligence, ça c'est tout à fait normal. Bon, les Américains ont dit nous, collaborer dans Bango, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président Macron, maintenant aussi, facteur, je suis avec le président Macron, parce que le président Macron, le président congolais Félix, il n'y a aucun niveau de bien. Mais tu reçois dans une émission pourquoi le président Trump a pu le président Félix? Parce que le président Macron, aujourd'hui, il est objectif, exactement. S'il faut collaborer avec le président congolais, il faut initier. Il faut une dimanche à initier dans l'loge na bango, il y a nouvel ordre mondial pour pas collaborer. Le fait qu'il n'est pas initié dans nouvel ordre mondial, on ne peut pas collaborer avec lui parce qu'il n'est pas le leur. Donc ça c'est maintenant la France parce que France objectif n'est à la raquette à initier le chef d'État africain. Donc, ça c'est le rôle de la France, parce que c'est la France qui initie le président africain. Donc France n'a pas initié le président africain. Donc rôle mais moi là, je vais insister donc pour collaborer avec toi, il faut toi initier parce que tu n'es pas le nôtre. Donc ce qui fait que le président Félix dans la zone du Congo, il a compris que place à outils, le danger est imminent. Donc danger ça imminent et puis permanent. Donc il sait pas quand est-ce que ça peut tomber. Dans la zone à mon que non bon. Où est la Solara, état-major Nangaï, le ministère de la Défense, staff de la Défense à Congo. Donc, il faut que nous Solara, dans les mots, ils ont un peu la discrétion. Quand on a le Lubumbashi, quand on a la réunion, étudier les paramètres et tout. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans Congo? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'armement n'a plus capable? Est-ce que nos hommes, à quel état, pour qui que j'aurai militaire? Jusqu'où nous pouvons prendre en charge les militaires que nous avons en forme, que nous avons marché, pour que nous soyons prêts aussi de combattre au cas où l'adversaire nous soit attaqué. Mais comment maintenant Mundele Azako Luka à côté dans le Congo pour attaquer le président Félix? Parce que le président Félix a compris le système. Bon, moi, tant que l'amour que ça, et ça qui marche, et ça va marcher un peu partout, partout. Bah, occidentaux, ça va tellement exprès. Comme on a dit, si la mouka, on a dit que la mouka, ça va marcher, à tenir des propos difficiles, ça va déclaration, on a dit que ça là, pour que le président Félix, maintenant, ou l'administration, n'a tant qu'on va réclamer, tant qu'on va venger, pour aller le Romorogoué, tant qu'on va partenaire à FCK, non, mais conseiller nous, nani, pourquoi il faut qu'on agir tout de suite. C'est un langage politique, diplomatique plutôt. Donc, cela explique que le président Félix a dit que ce qui a répliqué contre Fayoulou, a sali réplique contre Fayoulou, ça allait provoquer parmi les policiers, il y a Congo, il y a des policiers qui sont aussi pour la Mouka. Il y a des policiers qui sont proches à Katumbi, proches à Bemba, proches à Fayoulou, proches à Yamouzitu, tout ça. Et ce sont les gens qui peuvent profiter, pas activistes, pour tomber dans Moutoumé. Donc, ils ont créé un cafouillage numéro boué. Moi, sécurité Moroboué, qui allait faire que intervention à Belge, à Occidentaux, et qui est en Congo, peut-être pour liquider le président Félix ou un coup d'État. Donc, il y a une raison. Ce que faisait Félix, c'est qu'il y a raison, c'est pour ça qu'il disait que non, la démocratie, parce qu'il avait compris que ce qui est là, qui agit, qui piège, c'est là qui est. Donc, vraiment, à joie qui est là, et le Kouana, ce qui faisait que bon. Heureusement que Agissa qui n'est pas là, va toucher et péter, elle a le pouvoir, mais le danger est permanent. Maintenant, moi, je veux parler maintenant aux Congolais, parce que nous sommes Congolais aussi, nous sommes tout le côté, comment nous pouvons aider notre pays. Parce que
C'est vrai que, certes, si les choses sont changées aujourd'hui au Congo, c'est grâce à la diaspora. La diaspora a mené une lutte énorme pour que beaucoup de choses changent à l'intérieur du Congo, tout comme à l'extérieur. Nous avons fait échouer le système. Le système est échoué. Mais il ne faut pas te garder ma rancune, ma haine, ma mité, mon abysso. Nous, il faut que tu aies un Congo pour essayer aussi de changer les choses à l'interne. Parce que si nous ne nous proposons pas, dans le Congo, si nous ne voulons pas nous responsabiliser dans le Congo à l'interne, batamité mamabe, bataba mauvaise foi. Parce que moutou, nous avons mettant à ça la moutou, après ça moutou, ma capacité mi balé, ya malam ou ya mabe. Batou soua pour n'a rien malam ou na vigne à ça la ramalam, tout ça pour n'a rien mabe, mabe mabe n'a rien sorcellerie. Il y a aussi des gens où apouna mabe ya sorcellerie, bah on s'est proposé la place na bisou la toi, peut-être na esprit à malam ou, bah on s'est proposé la politique à Congo, pour n'a rebouma Congo, rebouma peuple congolais. Donc on ne peut pas que continuer à dire que c'est vrai que il faut peut-être m'attendre, m'acquérir tanga. Pour que les choses changent à l'intérieur du Congo. Mais lorsque tu veux pas aller te sacrifier aussi ou bien faire une lutte aussi noble là quand ça Congo pour moi qu'on a besoin changer. Tu cries de loin. Mon tout sera d'accord à que ne mener lutte aussi noble à l'intérieur. Bien tout vous critiquer, vous finir collabo. Mais quand est-ce que ce pays va changer? C'est comme si tu remets sur ta sorcière en Bougana Bisso parce que tu es belle autonomité. Qu'est-ce que nous voulons? Oh non, tout le monde dans la cabine a battu, le système est long. C'est bien. Mais comment on fait? Oh non, il faut maquiller tant. Maintenant, qui va mener cette lutte-là? Personne. Donc, Kabila, système, Kabila, coûte ça, il a pouvoir. Donc, système éthique, elle a 50 ans, 120 ans, 130 ans, 140 ans, 200 ans, tu recouvres. Ben, là, soit Koufi, la génération Koufi, même beaucoup moins échangée. Donc, essayons de réfléchir autrement. Nous voulons entrer chez nous, éduquer la masse, éduquer le peuple. Ça, je demanderai même la diaspora, pour qu'elle nous éduque masse, qu'elle éduque peuple, de façon que, va comprendre aussi que nous avons le droit, nous avons aussi le devoir de rentrer chez nous, parce que, ton côté, quand tu vas avoir plus ton côté, quand plus l'étranger, par exemple, envahir en. Ici dans la diaspora, on a une disquette qui est tout le monde qui est à distance, on va venir à Congo. Mais tout le monde est surtout. Parce que ma politicien à Congo, on va monter à l'opposition, on va monter. Moi, je suis comme ça, pourquoi? Toi, ni bas rebelle, tu vas monter. Parce que au Congo, Kabila dirige avec quel rebelle? Donc, ma boumou à Congolais, aujourd'hui M23, aujourd'hui MLC, aujourd'hui RC de Goma, quel rebelle les criminels? Mais ils ont travaillé avec Kabila, mais nous sur la diaspora, nous avons seulement parlé. Pourquoi il faut abonner aussi plus que bateau au babou m'écoute maquille la congolais? Donc c'est injuste. Donc, pour aussi nous effrayer. Tout la mouka, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la mouka? Vous partagez le numéro Oyo, naïna ba marambou belé, au bo sepela, et quoi apprendre bino, vous marambou belé pour la mouka. Merci beaucoup pour partager les émissions. On passe vos alibis, vous bengabade konabino, ba s'abonner à la chaîne Nabiso Les Congo AL News, parce que nous sommes là pour couper sa vie vérité. Nous ne voulons pas qu'on rencontre nous en Malokuta. Tout mettre la noire en Malokuta ou en Balisapo. Non, nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous ayez la vérité, vous fondez dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le monde qu'on a pu so? Il y a où nous sommes là. Tout le monde qu'on a pu so émerger, ça va bien. Tous à la paix, fiers d'être congolais. Nous avons la chance que tout le monde est en bas congolais parce que Dieu nous a aligné tout le monde en bas congolais. Personne d'entre nous a eu ça en disant, mais tu n'as pas congolais. Non, Dieu nous a choisi d'être congolais. Il faut tous être aussi fiers. Tout le monde est en bas congolais. Il faut protéger Congo. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, il y a une éternité dans ma bête. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour que tout change beaucoup dans la changer. Voilà, merci beaucoup parce que vous allez abonnez-vous encore à la chaîne, vous marquez bah, like surtout vous tirez bah, commentaire pour nous recevoir bah, conseil na bah, idée na nous. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Un cousin de retour avant de mourir, il disait que Okuliana, effectivement aujourd'hui il y en a qui se mangent tout seul. Les Congo AL News, première chaîne d'info.